Le chocolat. C'est bon. Les chamallows. C'est bon. Les petits beurres. C'est bon. Le mieux pour faire des s'mores, c'est de mettre le petit beurre en bas, puis les chamallows, et enfin le chocolat au-dessus. C'est très logique. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est avec les chamallows au-dessus. Les chamallows sont délicieusement ramollos et sucrés. Quelle est la meilleure façon? Je devrais peut-être faire un test? Ouais, une expérimentation. Waouh. Délicieux. Mes préférés. Ellie! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as juste mangé tous les petits beurres. Et? Et on en avait besoin pour nos s'mores. Et maintenant, personne n'aura de s'mores. Oups, désolée les amis. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces chamallows? Et du chocolat. Hé, je sais. Quoi? Et si on partait dans une aventure pour camper? On pourrait apporter le chocolat et les chamallows. Et on les mangerait au goûter quand on aurait faim. Ouais, tout est délicieux quand on campe. Super idée. Cool, on y va. Allez. Hourra. On va bien rigoler. Vas-y Ziggy. Hé hé, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hé, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go. Que tout le monde fonce les bras. Ouais, j'adore la jungle. Un pour Sophie. Délicieux. Un pour Tessa. Merci. Un pour Mia. Un pour Eddie. Et un pour moi. Et un chamallow pour toi. Un pour toi. Miam, miam. Un pour toi. Et un pour Eddie. Génial. Les chamallows et le chocolat ont l'air un peu seuls sans les petits beurres. Ouais, je continue à rêver de nos s'mores. J'ai trouvé. On peut faire des s'mores de la jungle. C'est quoi des s'mores de la jungle? C'est comme des s'mores, mais avec de la noix de coco au lieu des petits beurres. De la noix de coco? Je crois que c'est toi qui es coco, Eddie. Non, c'est vraiment bien trop bon. Je pense qu'il faut faire un test. Pourquoi pas? J'adore la noix de coco. Venez, on va chercher des noix de coco. D'habitude, il y en a plein par ici. Je comprends pas. Où sont-elles passées? C'est l'affaire des noix de coco disparues. D'abord, on doit trouver des indices. Les palmiers sont toujours là, mais ils n'ont plus de noix de coco. C'est l'indice numéro 1. Quelqu'un a dû toutes les prendre. Tu penses que tous les palmiers sont vides? Il y a d'autres palmiers par là-bas. Allons voir s'ils sont vides. Regardez. On cherche des noix de coco. Tu sais s'il y en a par ici? Non, pas une seule. Et moi aussi, je cherchais des noix de coco. Ah bon? Pourquoi? Je m'en sers pour m'entraîner à jongler. Du coup, j'ai dû me servir de banane à la place. Attention! J'abandonne! Je me rends! C'est quoi ce truc?
On dirait que c'est une écharpe en soie blanche. Kobe, je crois que tu as trouvé un nouvel indice. C'est vrai? Mais que fait une écharpe en soie blanche par ici? Peut-être que la personne qui l'a laissée ici est partie là-bas. Bon, il n'y a qu'une façon de le découvrir. Allons-y, les amis! Ouais! Mais... Salut, Léonard! On cherche des noix de coco. Moi aussi, je n'en trouve aucune. L'affaire des noix de coco disparues continue. Pourquoi tu veux des noix de coco, toi? Je m'en sers pour mes entraînements de tennis. Mais comme il n'y en a pas du tout, j'essaye de me servir de mangue. Tu veux essayer? Ouais, je suis trop forte en tennis. Les mangues rebondissent beaucoup trop pour jouer au tennis. Hé, hey, tout le monde, regardez ce que j'ai trouvé. C'est une baguette magique. C'est un indice. Qu'est-ce qu'une baguette magique peut bien faire avec les noix de coco disparues? Des arbres vides, une écharpe en soie, une baguette magique, mais pas de noix de coco. Quelle affaire difficile. Je me demande si on peut trouver plus d'indices. On devrait continuer à suivre la piste. Salut, Emmett. T'as pas vu des noix de coco? Non, et on les cherche partout depuis tout à l'heure. Ah bon? Tu t'en sers pour faire quoi? Les noix de coco ont du lait de coco à l'intérieur, et c'est ma boisson préférée. Mais alors, tu bois quoi à la place? Rien, c'est bien ça le problème. Et vous êtes devant un éléphant très assoiffé. Oh non! Écoutez tous, j'entends un nouvel indice. Suivez ce cri d'oiseau. Ah, les noix de coco. Ah, je réussirai jamais ce tour de magie. Gérald! Là! Salut tout le monde! Vous arrivez pile à temps pour mon nouveau tour de magie. Je me suis entraîné nuit et jour. Il s'appelle comment ton tour? Les noix de coco disparues. Wow. C'est aussi le nom de l'affaire qu'on est en train d'essayer de résoudre. Mais bon, j'ai juste eu le temps de faire la partie où elles disparaissent, mais pas encore celle où elles réapparaissent. Tu les as trouvées où, tes noix de coco? Ben, un peu partout dans la jungle, bien sûr. C'est Gérald qui a pris toutes les noix de coco. L'affaire des noix de coco disparues est résolue. Oui, c'est moi. Mais je les ai prises uniquement pour m'entraîner. Mais nous, on avait besoin de noix de coco pour faire des s'mores. Et le singe en avait besoin pour jongler. Et le lion en avait besoin pour jouer au tennis. Et l'éléphant en avait besoin pour boire du lait de noix de coco. Et je suis un éléphant très assoiffé. Bonté divine, je suis si désolé. J'avais pas réalisé. Je vais toutes les rapporter. Enfin, dès que j'aurai trouvé comment faire. On peut peut-être t'aider avec ça. Mon écharpe magique, vous l'avez trouvée? Et ça? Ma baguette magique, merveilleux. Il n'y a plus qu'à essayer. Noix de coco, toutes disparues. Noix de coco, réapparaissez à ma vue. Wow. Ah, ça a marché. Regardez toutes ces noix de coco. Reculez. Dieu merci. Merci. L'affaire des noix de coco disparues est officiellement résolue. Et maintenant, il y a assez de noix de coco pour tout le monde. La prochaine fois, Gérald, ne les utilise pas toutes pour toi. Laisse-en un peu pour les autres. À présent, j'ai compris. On doit tous partager ce que nous avons. Ben moi, j'ai les chocolats et les chamallows. Qui est-ce qui veut des s'mores de la jungle? Moi! Moi! Hé, Sophie, j'ai besoin de ça.
Sophie, j'allais m'en servir. Mais... Tu peux pas tout prendre pour toi? Non. Regardez tout le monde. Je m'en servais pour construire un mur de sable autour du château. Vous voyez? Et alors? Pour nous protéger du dragon qui écrase tout et qui crache du feu. Quel dragon qui crache du feu et qui écrase tout? Le voilà!